de chien. D'abord, il y a le regard. Quand tu fais, en marchant l'est, il y a l'endroit où tu regardes. Ce que tu veux, là où tu regardes, c'est l'endroit principalement où tu veux que ton chien soit. D'accord ? Ta voix, elle sert qu'à trois choses. Donner le commandement, avance, attends, doucement. Encourager ou féliciter. Bien, mon gros. Très, très bien. Super. Elle n'est pas là pour faire... Non, ta voix est là uniquement pour soit faire avance, par exemple, après c'est hop, 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 et dès que tu as ce que tu veux, c'est là, bravo, super. Et puis, alors maintenant, le problème, c'est les mains. C'est que moi, j'ai une main qui va être sur ma longe pour ajuster. C'est-à-dire que je ne vais surtout pas essayer de le ramener pour le forcer à, se mettre, à s'arrêter. Il faut absolument que j'ajuste de manière à ce qu'au moment où il n'obéit pas à mon ordre, eh ben, je vais créer un déséquilibre qui va durer un quart de seconde. C'est surtout pas te retenir le chien. Donc, si je fais avance, voilà mon chéri. Voilà, bravo, Woofy. Oui, donc la longe, il faut absolument l'ajuster. Hein. Là, voilà, il faut que vous mettiez le... Là, attends. Voilà, très très bien, Woofy. Et donc, quand vous êtes avec le chien, il faut impérativement qu'il ne se sente pas retenu. Mais alors, vous allez me dire, oui, mais alors, l'espèce de truc pour ramener le chien. Je ne ramène pas le chien. C'est lui qui choisit. Hein. Soit il s'arrête, bravo mon Woofy, ça super. Soit il est en mouvement et il perd l'équilibre. C'est confortable de s'arrêter, inconfortable de continuer. D'accord ? Donc, si vous le tirez vers l'arrière, ça devient inconfortable de s'arrêter. Vous voyez ce que je veux dire ? Si vous le retenez, c'est inconfortable de s'arrêter. Donc, il faut absolument que vous compreniez que je ne dois pas le retenir. Avance, Woofy ? Ouais, très bien. Donc, il avance. Je suis super content. Ouf ! Allez, 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 allez. Attends, Woofy. Bien, mon chéri, super. Dès qu'il s'immobilise, ouais, génial, Woofy, bravo. Super. Il est arrêté volontairement sans être retenu. Donc, je suis vachement content. Attends. Voilà, vous allez arriver là et vous allez demander à vos chiens de s'immobiliser. Attends. Voilà. Freeze. Très bien. Stop. Donc, là, on arrive dans le bois. Et donc là, on a plusieurs possibilités. Alors, j'aimerais que vos chiens soient au minimum arrêtés. Hein. Pauline. Uten. Laisse. Votre chien doit être volontairement immobile. Il ne doit pas être... La Uten. Vous voyez, par exemple, Uten, là, attends. Il me dit « Oh non, non, moi, je vais aller... » Non, non, non. Moi, quand j'ai dit « Attends », on s'immobilise. Je me fous de savoir que le chien me regarde ou pas. C'est pas mon problème. Bon, oui. Alors, attention. Attends. Moi, je vais donner mon ordre libératoire qui veut dire que les chiens peuvent galoper. Donc, je vais faire « Allez, c'est fini. » Ils ont le droit de courir. D'accord ? Donc, promenons-nous dans les bois, ça va être avoir un chien qui va avancer quand on lui demande, s'arrêter quand on lui demande, et puis s'immobiliser, voire dégager quand je ne veux pas qu'il mange un truc ou une cochonnerie. Si jamais on part après dans la marche au pied, ça va être avec ou sans laisse. Ça va être de demander à son chien de lui dire l'endroit confortable, c'est collé à côté de ma jambe. Alors, de manière académique, vraiment, ça va être carrément d'avoir le chien qui colle la tête sur la hanche. Mais moi, je ne cherche pas à ça. Je veux simplement avoir un chien qui est juste au niveau de mon pied et qui reste à ce niveau-là. Alors, pour ça, l'ordre est très simple. Ce n'est plus avance, attends, doucement. L'ordre, ça va être, dès que je vais dire à gauche, moi, je dis à gauche. Dès que je dis à gauche, s'il a les deux pattes, s'il a volontairement les deux pattes au niveau de ma jambe gauche, je suis super content. Si je m'arrête, il doit s'arrêter. Si je repars, il repart. L'objectif n'est en aucun cas de lui apprendre à marcher au pied, en fait. L'objectif, c'est de lui faire comprendre que quand je fais à gauche, s'il pose ses deux pieds là, volontairement, c'est super confortable. Donc, quand je vais être avec Uten, voilà mon chéri, qu'il soit arrêté, que je sois arrêté en mouvement, la règle est toujours la même, puisque si je fais Uten, il doit coller à côté de la jambe. Bravo mon chéri, super. S'il n'est pas attentif, hop, je change de direction, je m'arrête, et il doit coller, bravo. Alors, là, vous pouvez tout à fait récompenser le chien.